Yo tout le monde, c'est Kilira, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez eu dans le titre, le retour, et oui, je suis en fin de retour les potes, ça me fait vraiment bizarre de refaire cette introduction, j'ai l'impression qu'elle n'est plus à moi, j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient plus, que cette chaîne ne m'appartient plus, c'est très très étrange comme sensation. Beaucoup de choses se sont écoulées depuis la dernière vidéo où je parlais de ma rupture et de mon déménagement. Donc j'ai déménagé, comme vous le voyez, je n'ai plus mon décor à l'arrière, il n'y a plus tout ça, je suis de retour. En attendant, c'est temporaire chez mes parents, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel. En gros, je n'ai que cette pièce en gros qui est ma chambre, mon nouveau bureau, ma zone, voilà, c'est ma chambre. Donc derrière ce que vous voyez, cette petite créature, c'est petit Pearl qui a bien grandi, et voilà, vous voyez un peu le bordel. Il n'y a plus de décor pour le moment parce que je peux clairement pas développer mon décor dans juste une toute petite chambre, donc ce n'est que temporaire pour le moment. Et du coup je suis de retour, ça me fait extrêmement bizarre d'être de retour sur YouTube, ça me fait, j'ai l'impression de ne plus être à l'aise en fait, c'est très très étrange comme sensation, j'ai l'impression de ne plus être à l'aise. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais déjà de retour, notamment sur Twitch, encore la semaine dernière, encore hier j'étais en live, ce soir je suis aussi en live sur ma chaîne Twitch. Donc si vous ne me suivez pas, vraiment allez checker là-bas. Alors cette petite vidéo, petite ou grande, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour parler un petit peu de la suite de la chaîne, comment les choses maintenant vont se passer au niveau de la connexion, les changements qui arrivent, voilà, tout un truc. Donc il est possible que je bug à des moments dans mes paroles parce que je ne suis plus trop habituée à faire des vidéos comme ça facecam, mais ça va revenir petit à petit. Donc, point numéro 1, j'ai coupé mes cheveux. Et oui, Michel, c'était l'information la plus importante de cette vidéo. Donc du coup, on va arrêter hein, sans plus tarder. Non, plus sérieusement, je les ai coupés, j'en avais marre, j'avais besoin de changement. Donc du coup, j'ai un petit peu coupé, j'ai raccourci tout ça. Et petit Pearl me regarde derrière d'un air tellement... Très intéressant ce qu'elle dit, très intéressant. Moi, je fais ma toilette tous les jours et pourtant, j'en fais pas une vidéo... Voilà, il est très focus, c'est très très drôle. Donc du coup, par rapport à l'avenir de la chaîne, les vidéos vont reprendre à partir soit de la semaine prochaine, soit de la semaine d'après, puisque je vais regarder du coup les vidéos que je vais tourner. Et ce que je vous propose sur la chaîne en fait, c'est qu'elle va évoluer. Alors le concept de la chaîne reste toujours le même, les jeux vidéo c'est ce que j'aime le plus et c'est ma passion, c'est comme ça que j'ai commencé, je veux continuer comme ça. Donc sur la chaîne il y aura toujours du gameplay dessus, je pense qu'on fera des petites vidéos, voilà, comme d'habitude ce que j'ai l'habitude de faire, c'est à dire des jeux peut-être où je vais record pendant 3-4 heures. Et tout va être condensé pour vous en un format de peut-être entre 10 et 20 minutes maximum, avec les moments les plus drôles tout simplement de gameplay. Il y a aussi le fait que je me suis lancée en parallèle. Alors sur Twitch c'est vraiment un autre univers. Ici vous avez vraiment un format de vidéo hyper court, de l'autre côté vous avez un format de vidéo hyper long. Puisque genre pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois j'ai live Beyond Two Souls et on a fait 12 heures de live, on a fait le jeu en one shot, donc je vous invite vraiment à aller le checker. Pareil pour Blair Witch, on l'a fait, on l'a pas fait en one shot celui-ci, on l'a fait en deux lives, mais je vous invite vraiment à aller checker les amis, si vous y êtes pas, allez checker au moins les rediffusions, puisque vous êtes nombreux des fois à m'envoyer des messages en même temps en me disant ah, quand est-ce que tu reviens et quand est-ce que tu fais Blair Witch, tel et tel jeu. Mais en fait c'est des jeux que genre je fais en fait déjà sur ma chaîne Twitch. J'ai vraiment la sensation que cette vidéo va être complètement décousue et qu'il n'y aura pas trop d'ordre finalement, et j'en suis vraiment désolée encore. Mais avant toute chose, le truc hyper malpoli que j'ai pas fait en début de vidéo, et ça c'est très grave, donc j'espère que vous êtes encore là, c'est de vous remercier du fond du cœur pour votre soutien qui a juste été, j'ai envie de dire, légendaire. Genre votre soutien a été incroyable et vous imaginez pas à quel point je vous en remercie. Puisque j'étais vraiment très très mal et j'ai eu la chance d'avoir des amis en or qui ont été là pour moi et qui m'ont soutenu dans ce moment qui n'était pas du tout facile pour moi et qui a été très très douloureux. Et j'ai aussi une communauté en or qui m'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles pour moi. Vous m'avez envoyé des messages, les commentaires, c'était des milliers de commentaires. Ça a été des messages privés sur Instagram, des messages sur Twitter, des messages sur Twitch, sur tous les réseaux en fait que je possède. Vous m'avez envoyé des MP ou bien des messages comme ça. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que pour vous c'est peut-être genre 10 secondes de votre temps, vous voyez, genre que vous avez pris pour envoyer un message. Mais sans déconner, merci en fait, parce que vous imaginez pas le sourire que ça m'a donné et surtout à quel point ça m'a donné encore plus de force pour me battre. Puisque ok, on peut dire oui mais c'est bon,
c'est une rupture, tu t'en remets. Oui, tout à fait, on s'en remet, d'accord, on peut se le relever de tout, enfin, de tout entre guillemets. Mais voilà, c'était 5 ans de relation, et du coup, ça fait toujours mal, c'est toujours ça fait toujours mal, c'est normal, quand une relation se termine. Et c'était un déménagement, c'était beaucoup de stress qui se sont engendrés. La séquence de stress n'est pas encore terminée pour moi, puisque là, j'ai des examens de santé à passer, puisqu'ils ont trouvé des petits problèmes, donc pour le moment je vais passer des tests supplémentaires pour voir du coup ce que ça peut être, mais l'appartement aussi par la suite que je veux prendre, c'est encore du stress, mais je me dis vas-y, je vais y arriver, et surtout c'est la commu quoi, vous êtes juste incroyable, vous m'avez soutenu comme pas possible, et je tenais juste à vous remercier du fond du cœur. J'ai vraiment été très mal polie dès le départ de cette vidéo, je vous ai même pas remercié sur Twitch. Pour ceux qui sont sur Twitch, Team Twitch, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Pour eux, genre, vous êtes présents et vous savez à quel point je vous en remercie, quoi. Pendant les lives, on en parle souvent. Mais sur YouTube, du coup, je me sentais pas du tout de reprendre ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail et je me sentais pas du tout de revenir pour le moment. J'étais vraiment dans un moment... Là, j'ai emménagé il y a deux semaines chez mes parents. Et j'étais encore dans les cartons, c'était le bordel. Et c'est encore le bordel. Mais je me sentais pas du tout de revenir. J'étais pas bien, moralement. Et les lives Twitch m'ont vraiment beaucoup aidé, et de live comme ça pendant 4h, 3h, je fais pas encore de nouveau des gros lives pour le moment, là je suis en train de reprendre petit à petit, mais ça me fait un bien fou. Je suis en live la plupart du temps, du lundi au dimanche, alors là je serai pas là dimanche, lundi, mardi, mais sinon du lundi au dimanche je suis en live à partir de 21h tout le temps, sur voilà, des jeux d'horreur, sur les dernières sorties. Là ce soir on va faire du Borderlands 3, on va le tester ensemble. Après, si on n'est pas trop fatigué, on partira sur Green Hell, gros jeu coup de cœur que j'ai en ce moment, un très très bon survival. Et donc voilà, c'était juste pour vous, voilà, petite parenthèse fermée, je voulais juste vous remercier infiniment. 3 fois 1000 les amis, je vous aime tellement de m'avoir soutenu dans des moments aussi difficiles. Et moi je suis Kilira, la personne qui fait des vidéos dans son bureau et qui embête personne, et de voir en fait à quel point en fait, bah... Vous êtes genre une famille, on est une famille, c'est con à dire, mais en fait c'est la vérité. Si vous entendez un gros bordel énorme, c'est Pearl qui voit des mouches, et en fait il a envie d'aller défoncer les mouches, donc il fait un bordel monstrueux. Parenthèse fermée avant que des larmes coulent, mon petit Michel. Je vous parlais tout à l'heure de Green Hell, gros jeu coup de cœur que j'ai, un survival vraiment très kiffant, qui n'est pas encore disponible en coopération, mais par contre l'histoire, le mode histoire est disponible depuis le début du mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller checker vraiment sur Twitch mes vidéos dessus. D'ailleurs j'aimerais vous poser des questions par rapport à ça. J'aimerais refaire des vidéos survival. Vous savez, il y a très longtemps, je faisais des vidéos sur Ark. Il y avait les tutos, genre comment tamer telle créature, ceci, cela. Et là, j'ai envie de faire des vidéos sur Green Hell, des vidéos de survival, parce que ça me manque comme pas possible, et j'ai envie de savoir si ce type de contenu vous plaît. Moi, ce que j'aimerais faire sur la chaîne maintenant, c'est du contenu court, comme d'habitude, ça change pas. Toujours tenter d'améliorer la qualité. J'aimerais, pourquoi pas, vlogger. Dites-moi aussi si ça peut vous plaire. Faire des vlogs, ce genre de choses. Les vlogs, peut-être les commencer quand j'aurai mon appartement. Genre, ça peut être bête, mais vous savez, des petits hors-série, genre... C'est con, mais genre, soit où je live, ou soit où je vlog, en vous montrant le nouvel appartement, les peintures, ce genre de choses, vous savez. Est-ce que ça pourrait pas être un hors-série un peu sympa? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous tenter ou pas. Aussi, j'aimerais faire un best-of Twitch, peut-être toutes les 2 semaines, ou sinon, toutes les semaines, récupérer une vidéo Twitch, enfin un live Twitch en fait, qui était cool, un survival, peu importe, et condenser tous les meilleurs moments et en faire voilà une petite vidéo de 15-20 minutes avec tous les meilleurs moments. Je pense que ça peut être aussi cool. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Après, potentiellement, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés et ça m'étonnerait pas, franchement, mais voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et d'être toujours présent au quotidien, que ce soit sur Twitch ou via les réseaux sociaux. Je reviens, ça y est, sur YouTube, c'est officiel. Donc la prochaine vidéo de gameplay sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je vous tiens au courant par rapport à ça, tout dépend en fonction des tests que je fais. Bref, des tests que je fais en fonction des résultats que j'ai, de mes analyses et tout, si je décale ou pas. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que ça ne saurait tarder. Les nouvelles vidéos vont bientôt arriver. Patientez juste encore quelques jours.
une semaine maximum, et puis après on redémarre les potes on fire, tout simplement. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à ce soir peut-être si vous êtes là sur Twitch, c'est Twitch Killera TV comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker, tout est dans la barre d'infos. Merci infiniment à tous ceux qui vont sur YouTube pour moi, c'est une plateforme qui permet de regarder des vidéos, des publicités gratuitement pour vous, et qui rémunère le streamer en contrepartie, donc je vous remercie infiniment pour tous ceux qui font ça, c'est listé juste dans la description au cas où en bas. Je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous aime 3 fois 1000, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et à ce soir pour un nouveau live. Ciao.